Bonjour, nous voilà aujourd'hui pour la commission permanente du département des Yvelines à Clairefontaine en Yvelines, centre de préparation aux Jeux et qui me donne l'occasion de présenter à mes collègues l'ensemble du plan olympique et paralympique que nous allons développer avec le département pour justement préparer les Jeux de 2024. Un grand moment, des moyens qui sont mis aussi à disposition de nos clubs, de nos communes, des associations sportives mais aussi scolaires. C'est des moyens que nous allons aussi mettre pour promouvoir le sport sur le territoire parce que pour nous, le sport fait vraiment partie de la cohésion de nos territoires mais aussi de la cohésion sociale du territoire. Et donc notre volonté, c'est aujourd'hui de pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs du département mais aussi de promouvoir l'action du département en faveur de tous nos publics, que ce soit nos personnes handicapées, nos personnes âgées, nos jeunes, collégiens, mais aussi personnes en intégration qui sont les publics prioritaires du département. Et tout ceci, c'est l'occasion de dynamiser notre action sur le territoire avec l'ensemble des événements que nous allons pouvoir réaliser jusqu'aux Jeux olympiques et paralympiques, à commencer par les Olympiades culturelles, mais aussi la flamme qui parcourra le département des Yvelines juste avant les Jeux. Et ça sera un merveilleux moment pour que justement tous les Yvelinois se rassemblent derrière tous ces événements sur le terrain. Chers Yvelinois, je vous souhaite un très bon week-end.